entreprise qui date de 1953, où il y a trois générations qui ont participé à sa construction et à son évolution dans le temps. Oh, elle est née de par mon grand-père, qui a commencé à travailler et vendre des pneus et des essieux sur les foires agricoles qu'il y avait sur la région Corrèze, Lot, voilà, l'Aveyron, tous les départements aux alentours de la Corrèze. En ce moment, il y a 6 personnes qui continuent à perpétrer cette aventure dans des temps modernes. Quoi, maintenant. Le centre névralgique est ici. Après, sur la partie haute, là-haut, vous avez toute la question du matériel agricole. Voilà. Puisqu'on a une spécificité depuis 60 ans, c'est l'agricole. On vend sur les foires, comme je vous le disais, ou alors sur les salons nationaux. Et aussi, on se déplace à domicile, comme aujourd'hui, on a un monteur qui est à domicile pour aller remplacer les pneus directement dans les fermes au niveau des agriculteurs, que ce soit de la Corrèze ou tous les départements aux alentours de la Corrèze. On a deux sites web de vente en ligne. On a aussi des smartphones et les tablettes on peut faire les achats directement. Et aussi, on a un site de présentation de l'entreprise où on peut demander des devis en ligne. Notre particularité, c'est d'avoir une diversification, et cette diversification, on y tient, parce que quand il y a un secteur qui marche plus ou moins bien, on a un autre qui compense, et je pense que oui, d'être sur la vente en ligne, il ne faut pas faire que de la vente en ligne, parce que nous, on est connus pour faire autre chose, mais faire la vente en ligne, c'est quelque chose de complémentaire. Tous les manufacturiers, que ce soit français ou étrangers, ne produisent pratiquement plus en France, donc nous, ça nous impose au niveau de nos achats, d'acheter à l'étranger malheureusement. Et donc nous achetons en direct à l'étranger, ce qui nous permet pour notre clientèle d'avoir des tarifs plus avantageux, parce que vous comprenez bien, il n'y a pas d'intermédiaire, et aussi d'avoir une gamme de prix et de pneumatiques importantes à proposer à la clientèle. C'est une entreprise qui a su se développer et surtout s'adapter. Et aussi qui prévoit l'avenir. Bon, voilà. Donc je pense que oui, on peut dire que c'est une entreprise qui a 60 ans et qui n'est pas à la retraite et qui n'a pas une ride.